Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Mega Aquarium. C'est le deuxième jeu du studio Twist Circle. Ils avaient déjà fait un très très bon jeu dans le même genre, sauf que c'était Big Pharma et là on devait s'occuper de la gestion, de la création de médicaments. Là, comme vous devez en douter sûrement avec le petit logo et le titre, c'est un jeu de simulation, gestion de parc d'aquarium, où vous allez devoir du coup créer votre propre parc. Donc vous avez un mode histoire qui va vous emmener pas à pas vous expliquer pas à pas les choses, qui est vraiment bien ficelé, qui vous explique très bien les choses. Mais sauf que là, pour cette vidéo, on va partir sur un mini let's play de, je sais pas, je dirais entre 5 et 10 épisodes au minimum, où on va commencer avec un aquarium à nous en mode sandbox. Donc vous, bien sûr, vous avez un mode sandbox. Donc let's go. Et avant toute chose, je tenais à tous vous remercier de suivre la chaîne et d'être aussi nombreux à me suivre, car c'est grâce à vous tous que j'ai pu avoir une clé en anticipé pour vous présenter du coup le jeu un jour avant sa sortie. Hein, j'avais un embargo, je pouvais pas le présenter avant le 12 septembre 8h du matin. Donc voici, on va commencer une nouvelle partie en mode bac à sable. Éventuellement, vous pouvez choisir le niveau de départ dans lequel vous voulez commencer. On va commencer par un... ils veulent un démarrage rapide, un démarrage standard ou un stock limité. On va partir sur un démarrage standard qui, je pense, devrait être pas trop mal. Éventuellement, vous pouvez choisir la graine du jeu. Je sais pas si ce que ça change vraiment. Peut-être au niveau des événements. À part ça, pour le moment, je ne saurais vous le dire. Donc, on va partir sur un niveau 4 de départ. Ouais, ça peut être pas mal. Et commencer le jeu comme ceci. Quoique. Ou est-ce qu'on part sur un niveau 1? Allez, on va partir sur un niveau 1, histoire de vraiment commencer avec les bases tous ensemble. Donc, parlons vite fait de l'interface. Il n'y a pas grand chose à savoir, à part que donc vous avez votre argent ici, éventuellement en bas à gauche, hein, votre argent, vous avez l'onglet message, éventuellement vous allez pouvoir accélérer le temps, recruter des personnes. Chaque personne a différents talents, différentes compétences, donc il va falloir essayer de trouver des gens qui sont bien adaptés un peu dans tout. Je pense qu'on va prendre celui-là pour le premier, premier qui va être intéressant. Zone, on va le mettre partout. Nourrissage, on va le mettre comme ça pour le moment. Ça va être très bien. Du coup, petite chose à savoir, on va pouvoir créer des bassins, mettre certains fils. Donc on va créer notre premier bassin, ça va être un bassin basique. On va éventuellement soit pouvoir le mettre comme ça ou soit pouvoir les tirer pour faire un plus gros bassin. Donc on va faire un plus gros bassin histoire d'avoir plus de poissons. On va pour le moment ne pas avoir le choix, on va forcément devoir mettre des demoiselles azur. Donc on va le remplir de demoiselles azur. Le poisson a des petits prérequis. Donc chaque fois qu'un visiteur va le visiter, il va générer un point de prestige, deux points d'écologie. Et le poisson fait une taille de 2. Il mange des granulés orange, ça va dépendre du poisson. Celui-là a besoin d'une température, enfin d'une qualité d'eau de 50% et a besoin d'une température d'eau tropicale. De toute façon, ils vont vous le dire. Donc là, on va avoir besoin d'un filtre basique. On va avoir besoin de plusieurs filtres basiques du coup. Là, ce sera bon. Et il va nous falloir de la température. Donc ils veulent une température de 18. Donc voilà, là c'est fait. Pour le moment, il va nous falloir aussi d'autres choses. Éventuellement, on peut leur mettre des décorations qui vont améliorer du coup le bonheur des poissons, hein, et le prestige que les gars vont vous apporter quand ils vont regarder les 10 poissons. Pof. Et on va rajouter une petite pierre histoire de dire. Donc ce poisson-là n'a vraiment pas besoin de trucs en particulier. Certains poissons vont demander que vous les traitez de telle ou telle façon, d'avoir besoin de tel végétaux, tel machin. Donc on va créer du coup notre premier... notre premier truc pour nourrir les poissons. Et on va créer dans la suite un établi qui va nous permettre... éventuellement de réparer les machines qui sont cassées. Donc maintenant que ça c'est fait,
ça va être l'onglet pour les visiteurs. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, on clique pour ouvrir. On va voir nos premiers visiteurs qui vont arriver et qui vont du coup admirer les poissons. Et dès qu'on va commencer à générer des points de recherche, des points d'écologie, on va pouvoir commencer à recruter de nouveaux poissons. Donc, par exemple, ceux-là me génèrent plus de points d'écologie. Ils ont besoin au minimum, donc faut aller, c'est les premiers poissons qui vont nous demander des petits trucs qui vont donc ce poisson a besoin d'être, c'est un poisson de banque, donc il a besoin au minimum de 4 chromis bicolores, et c'est un poisson qui fait 3 de taille. Par contre, il me génère plus de points d'écologie, donc on va commencer par le rechercher lui, comme ça on fera les prochaines recherches un peu plus rapidement. Les recherches vont être débloquées en fonction de ton niveau, surtout enfin du niveau que tu vas avoir. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc vous pouvez éventuellement créer des plateformes, créer des petits marchepieds éventuellement, des murs pour éventuellement cacher certaines choses. Car au départ, les visiteurs vont pas être trop exigeants. Mais plus vous allez monter de niveau, plus ils vont être exigeants. Et plus ils vont demander que par exemple les machines que j'ai mis là ne soient pas visibles. On va commencer par agrandir un peu notre parc. Enfin, vous avez compris. Notre bassin. Et on va commencer par créer un nouveau bassin. Pareil, on va avoir de nouveaux bassins au fur et à mesure de l'aventure, etc., etc. On va créer du coup, en anticipé, un nouveau bassin. On va accélérer le temps. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre le level 2, mais je trouvais ça plus sympa de commencer level 1 pour vous expliquer la chose. Donc vous voyez notre level pour le moment. Pour passer level supérieur, il faut avoir un niveau de prestige level de 10 qui va nous permettre en gros de débloquer de la porte du personnel, la technologie de recherche de... Ah, peut-être pas, on l'a peut-être déjà dès le départ. Donc les petits filtres, les bancs, la peinture bleue, la peinture des paves, les troncs, le bassin mural, etc., etc. Et pour le moment, j'aime beaucoup Nyanyan. Donc 5 visiteurs. Donc il nous faut plus de poissons pour pouvoir éventuellement du coup pour passer level up. Bien sûr, on peut être rétrogradé éventuellement si on gère mal ces poissons. Ce qui ne risquerait sûrement pas d'arriver. Donc j'ai vraiment envie d'attendre d'avoir ces nouveaux poissons avant de générer autre chose. On va attendre un peu. Ok, donc on est passé level supérieur. On va pouvoir du coup à débloquer de nouvelles choses, donc des nouvelles recherches qui sont disponibles, des nouveaux objets qui ont été débloqués. C'est plutôt intéressant. Donc on n'a pas de nouveaux poissons pour le moment. Par contre, on a le filtre, le petit filtre combiné, ce qui est plutôt pas mal parce que ça va nous permettre de donc choisir la nouvelle recherche. On va débloquer. Donc lui n'aime pas la lumière, donc il ne faudra pas qu'il soit éclairé, hein. Je peux pas sélectionner les deux. On va, je pense, rechercher lui qui me donne plus de points de prestige. Il a une grosse taille. Par contre, il a une grosse taille. Non, ça va pas être très utile. On va plutôt rechercher celui-là. Et c'est une brute. Il s'en prendra aux mauviettes. Donc éventuellement donc vous voyez, les deux là ne peuvent pas vivre ensemble. On va plutôt rechercher celui-là. Allez. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est mettre en pause, vendre les deux filtres là et le remplacer par le petit filtre combiné qui me permet en gros d'avoir qu'une seule machine. Ce qui est plutôt vraiment pratique dans le sens où on va avoir une seule machine à réparer au lieu de deux. Donc c'est plutôt cool. Donc on va mettre des petits poissons. Donc là il nous manque une qualité un peu meilleure. Donc on va rajouter un petit filtre et ce sera pas mal. Donc on a des nouveaux poissons, ils vont générer pas mal de points de recherche. Et du coup notre gars va continuer à nourrir les poissons. Donc on a un nouveau bassin, ça se passe bien pour le moment. On va pouvoir commencer éventuellement à créer des bassins d'angle et des bassins vous voyez là par exemple là je ne pourrais pas le faire. Faudrait que je le fasse plutôt comme ceci. Voilà. Qui me permettrait éventuellement du coup, si je le déplace
du genre comme ceci. Attendez. Réfléchissons comment qu'on pourrait faire. Si on le met comme ceci. Hop, on rajoute une porte ici. On va attendre. Enfin, une zone murée. Ici, on agrandit un peu. Et éventuellement, vous voyez, on va pouvoir, du coup, si quand même je le déplace d'un cran, parce que ça va m'emmerder si je le laisse là, je vais pas pouvoir faire ce que je veux exactement. Même si là, au final, je n'aurais pas spécialement besoin de le cacher, parce que les gens n'ont pas besoin à l'heure actuelle de ne pas voir la chose. Tiens, hop là. Si on se met comme ceci. Toc. Et là, ça peut être pas mal. Ça nous ferait un grand truc. On peut rajouter une porte, genre là. Bon, c'est peut-être pas super optimisé, je l'accorde. Mais, bon, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Éventuellement aussi, je peux, je ne sais plus dans quoi. Voilà, je peux choisir des décors qui vont me permettre de peindre les murs. Et de mettre un certain type de look, éventuellement, dans les bâtiments. Hein. Toc. Voilà, et vous voyez qu'aussi à l'intérieur du bassin, ça fait aussi un petit look comme ceci. Donc c'est pas mal. On a créé plein de nouveaux bassins. Donc on va laisser la recherche continuer à se faire. On a pour le moment des banques qui ont été implémentées. Donc est-ce que... Il faudrait que je puisse reculer ça. Regardez, du genre, on déplace ça. Pourquoi je peux pas? Ah voilà, c'est parce que il était pas content. Si on fait ça, on agrandit, on déplace ceci là. Là c'est pas mal. Et du coup qu'on place des bancs. Par ici, on va même pouvoir placer quelques bancs. Du genre, non là je ne peux pas. Du genre par ici. Et donc on va choisir la nouvelle recherche. On va rechercher ceux-là. Tiens, allez hop. Par contre, pourquoi il me considère que peut-être que celui-là n'est pas considéré comme ce bassin? Ah, il n'était pas considéré dans le bassin là en fait. Ah, le salaud! Voilà. Donc la bouffe par ici. Et du coup, on a des nouveaux poissons. Donc on va pouvoir mettre nos nouveaux poissons, nos poissons qui ne peuvent pas vivre avec des brutes, ici. Donc on remplit notre bassin pour le moment à fond. On a des problèmes de flotte et enfin de chauffage et tout. Donc on va mettre notre premier... Ok, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, il va nous manquer des gars pour les ateliers. Éventuellement, on commence à manquer de gars. Donc, on va recruter un nouveau gars qui soit, va s'occuper de la maintenance s'il est bon. Ben, on va recruter celui qui s'occupe du nourrissage. Toi, tu vas prioriser ça. Toi, tu vas prioriser la maintenance. Et let's go. Donc, voilà. Là, ça va être déjà un peu mieux. Donc les gars vont s'occuper de nettoyer. Et vous voyez qu'en fait quand les machines sont moins opérationnelles, la température, elles sont du coup moins efficaces. Donc c'est un peu relou. Je peux cliquer là mais je ne peux pas par exemple modifier son prix d'entrée. Ça c'est un peu dommage.
Et vous voyez qu'il me manque encore 100 points pour passer level, level 3. Ça va me débloquer de nouvelles choses. Et à partir du level 3 ou 4, je ne sais plus, on va pouvoir s'occuper, yes, d'avoir des nouvelles recherches. Donc là, on n'a que les recherches écologiques, mais des recherches sur le matériel. Hein, qui sera du coup pas mal intéressant. Donc là, on va commencer à monter tranquillou. On a une nouvelle variété de poissons qui est... ah oui, ceux-là, c'est vrai. Faut qu'ils vivent dans des grottes et ils n'ont pas besoin de lumière. Donc on va les mettre là-dedans. On va créer du coup un petit filtre combiné des familles. Un deuxième filtre combiné des familles. Et il leur manque des grottes. Donc on va leur placer des grottes. Donc une grotte par ici. Une autre grotte par ici. Et il va falloir penser à mettre un peu de décor. Donc la recherche a été faite. Nickel. Histoire de... d'apporter un peu plus de points de prestige. Hein, c'est vraiment important pour le fait d'apporter des points de prestige, même si ça ne t'apporte pas d'autre chose. Et plus on va évoluer, bien sûr, plus on va débloquer de nouveaux trucs qui vont être plus intéressants les uns que les autres. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Et là, du coup, on commence. On va être à combien? On va les laisser faire. Éventuellement, il va nous falloir un truc de bouffe par ici. Ok. On les laisse débloquer. Voilà. De quoi faire. J'aimerais bien pouvoir déplacer ceci quand même. Voilà. Pour pouvoir en fait. Non. Voilà. Créer comme ceci. Péter là. Et qu'en gros les visiteurs puissent aller voir quand même les poissons qu'il y a par ici. Donc là on a pour le moment tout recherché. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une... Est-ce qu'on mettrait pas... Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser là. Et ce qu'on va mettre, ça va être une porte du personnel ici. Avec un petit établi des familles. Genre là. Voilà. Comme ça, ils auront un peu plus près et plus de choses pour réparer. Parce que là, on commence aussi par manquer de personnel. Donc on va voir pour recruter quelqu'un qui s'occupe... de la maintenance, donc lui il s'occupe de l'accueil. Maintenance, entretien. C'est Fanfan. Ok. On va le mettre à 3 et après à 2 là. Ok, donc on est à combien en points? Je sais pas si on commence à avoir plus de visiteurs. On est à 42. C'est un peu mieux. Par contre, il nous manque quand même des bassins. Hein. Soit, ce qu'on pourrait faire, c'est... Je suis en train de réfléchir, en fait. Je suis en train de réfléchir de savoir si je mettrais un truc comme ceci là. Avec un petit agrandissement des familles par là. Du genre comme ceci. Avec petit déplacement. Ah ouais. Donc il va nous manquer un problème, il va un truc de circonstance qui va s'appeler acheter là. Attendez, j'ai une idée. Voilà, là ça peut être pas mal. Il va nous manquer qu'il faut qu'on achète.
ici. Qu'on démolisse. La porte là. Non, pas le bassin. Voilà. On n'est pas trop mal. Et faudrait juste qu'on s'occupe de peindre de la même couleur, quoi. Voilà. Ah, je peux... D'accord, peindre le carrelage, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Du coup, c'est pas trop mal. Est-ce que je peux peindre aussi derrière, là? Non. On reste comme ceci. Et là, c'est plutôt cool, je trouve. Faudra juste qu'on modifie... Ah, Nicodème a gagné un niveau. Choisissez une compétence à améliorer pour apprendre. Donc, éventuellement, l'accueil, l'entretien, la boutique à souvenirs, apprendre rien. Je voudrais que tu t'améliores en nourrissage. Il va me... Mince, il va me coûter un peu plus cher, mais... Vous voyez, là, ça fait pas mal. Hein. Les gens vont peut-être penser que c'est une continuité au final. Donc les bancs c'est pour les gars parce qu'ils sont fatigués. Et comment ça se fait que ceux-là ils sont là-dedans? Ah non, c'était un mec. Du coup merde. Bah, est-ce qu'on mettrait pas des petits poissons chirurgiens bruts des familles là? Voilà. Et on va compléter avec celui-là. Ah, et celui-là n'était pas rempli, celui-là non plus. Celui-là, on peut le compléter là, histoire de dire que ce soit rempli. Là, il me manque genre un truc. On va le mettre par ici. Pour le moment, j'ai pas trop le choix. Et... fonds insuffisant. Donc va falloir qu'on attende un peu. Et voilà, on est bien. Par contre ici il leur manque il nous manque deux trucs. Les distributeurs de granulés qu'on va placer juste ici, quand on aura un peu de sous. Parce que sinon ils vont mourir ces cons. Ça coûte combien? Ça coûte 90 un distributeur de granulés. Donc faudrait qu'on augmente un peu. Allez, allez, ouais, c'est bon. Et il va nous falloir quelques plantes. Donc les plantes coûtent 14. Donc là, c'est pas mal. Là, vous voyez, on est carrément mieux. Ça monte. Il va nous falloir des gars à embaucher dans le nourrissage. Qu'ils soient bons dans le nourrissage. Bah tiens. Parce qu'on manque de personnel. Et je sais plus c'est où. Je crois que c'était là. Ouais. C'était des demoiselles roses qu'on a mis dedans. Voilà, on remplit à fond. Par contre le bassin du coup il est pas assez il est pas assez rempli. On va mettre ça par ici. Et on va mettre... Ah, j'ai pas assez de sous. Il me faut combien? 79. Voilà. Là, on est bien. Faudrait vraiment qu'on commence à augmenter un peu plus en technologie. Donc, on va tout enlever. On va les laisser faire. Pour commencer à gagner un peu plus de thunes. On est à combien? 48, 49, 50. 48, ouais, on reste pour le moment à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme dans les messages? Récompense 2000. Ah, bonjour, je m'appelle. Ma passion.
Et l'aquariophilie et nanana. Ok, condition, construire un bassin avec des demoiselles roses. Très bien, marché conclu. Ah oui, donc c'est bon. Pour le moment, on a largement ce qu'il faut. Mauvaise. Ah, il y a des poissons qui ont été morts à cause de d'une mauvaise qualité de l'eau. Ah bah en fait c'est là. C'est ici en fait. Ils sont morts à cause d'une mauvaise qualité de l'eau. Pour ça que j'en ai perdu autant. Hé. Ok, donc pour l'instant on est bon. On est à 64 du coup. 61. Est-ce qu'on on va créer un petit peu histoire d'avoir 3 points de prestige en plus. Donc là on va gagner plus de sous. Nickel. Là on a encaissé. Eh ben c'est pas mal. On commence à avoir pas mal de thunes. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelques bancs des familles. Éventuellement. Éventuellement, là, on crée. On va créer d'autres bassins. Hein, tout simplement. Va nous falloir acheter. Va nous falloir acheter donc. J'ai l'impression que ça va pas être assez grand pour faire ce que je veux faire en fait. Voilà, comme ça on pourra mettre quelques trucs par ici. Et on va mettre une porte pour voilà, hein. Vous avez compris? Donc là on a un gros bassin de ce côté-là des familles, ça fait plaisir. Pof, on colorie tout ça. Il y a des pleins de bassins. On n'est pas encore tout à fait à la zone qu'il nous faudrait. Donc brut s'en prend aux mauviettes. Et lui génère plus de points. Donc bah tiens. On va le mettre là. On va avoir un problème qui va s'appeler. Ah ouais. On va avoir un problème qui va s'appeler qu'il faut que je déplace ceci là. Que je mette un mur là. Et j'ai pas encore une qualité d'eau assez élevée. Ça m'emmerde un peu. Parce que du coup. Je sais pas trop comment régler ce problème là. Enfin, j'ai une idée, hein. Ça va être qu'on va agrandir ici. Qu'on va déplacer celui-là par ici. Et qu'on va créer un mur qui va nous faire comme ceci. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de nouvelle machine, on ne pourra pas faire autrement.
Toc. Bon, c'est vrai que j'avoue que c'est moche. Hein. Mais on créera des plus beaux bassins après. Pour le moment, j'ai pas trop le choix. Comment que ça se passe? Donc là, on a vraiment un gros secteur de bassin par ici. C'est vrai que ça fait bizarre aussi. Heureusement que la peinture, elle coûte pas cher. Hein, parce que sinon, j'aurais été ruiné depuis un petit moment. Allez, il nous reste pas grand chose. Je pense que du coup, un nouveau poisson serait pas mal. Des chirurgiens jaunes. Toc. Et pas encore. Bordel, c'est pas possible hein. Bah eux, s'ils aiment la verdure, on va leur mettre plein de verdure. Avec quelques petites pierres, histoire de dire. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait déjà passer level 3 dans notre petit aquarium. Allez, il nous manque pas grand chose. Éventuellement, plus tard, je pourrais leur définir un chemin. 25e jour, on est à combien? 89, 91. Allez, allez, allez. J'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez me faire passer level up. Allez, il me reste 3, 4 points. Allez, oui! C'est bon, on est passé level 2. Ce qui enfin, qui fait plaisir du coup. Maintenant, on a débloqué les filtres puissants, les chauffages puissants, les distributeurs de soldats, les poubelles, les gravats. Les peintures tropicales, les austères, qui est une zone de 2 sur 2. Placard à balai pour nettoyer, du coup. Et pas mal de nouvelles recherches, et ainsi que de nouveaux trucs qui peuvent être intéressants. Donc on va maintenant s'occuper de rechercher les poissons. Les poissons qui me donnent de la... À chaque fois que les visiteurs les voient, vont me donner des points de science. Par contre, celui-là, il fait quoi? N'aime pas ses concepts... Donc en gros, il n'aime pas vivre avec des potes à lui. Donc lui, je pourrais en mettre qu'un seul par bassin. On va plutôt rechercher les murènes zèbres. Au départ, elles vont faire 4, mais quand elles vont grandir, elles feront 9. Qui vont me générer pas mal de points de recherche. Et du coup, on a... Si je dis pas de bêtises, donc là, on peut casser ça. Et là, donc ouais, c'est bien ça. Est-ce que je peux casser un autre? Donc là, ils nous veulent un truc à 30. Celui-là fait 36. D'accord, donc le premier va être quand même intéressant. 18 et 18, 36. Ça nous mettrait que 2, ouais. C'est quand même intéressant de mettre un truc comme ça. Et de mettre qu'un seul comme ceci. Ouais, là, c'est pour l'instant, en fait. Le problème que j'ai à l'heure actuelle... Ah, quoique, non. Le problème, c'est que, du coup, si je mets ça... Ça résout pas le problème. J'en ai toujours 3. Ok, bon, bah, pour le moment, il me faudra les... Assez rapidement, les points de recherche... Donc on est redescendu, mais c'est pas très grave. Vu qu'on a passé l'autre level. J'essaierai bien un truc. Du genre, on agrandit par là. Avec un truc du genre... Euh,
comme ceci là. Non, pas comme ceci. Donc là, il me faudrait potentiellement un bassin d'angle. Non, masse. Ouais. Et même un bassin d'angle qui soit reculé encore d'une case pour que les gens puissent passer. Du coup, ici, on met un bassin d'observation comme ceci. Histoire que les gens puissent passer aussi. Ça, vu que je sais pas où les mettre, on va les mettre comme ceci pour le moment. Non, et ça va m'emmerder en finale. Voilà, et je pense que je pourrais faire un truc du genre. Ah oui, c'est un bassin qui est comme ça. Ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu. Là, j'ai une solution du coup. C'est de péter ça. De décaler ça là. Décaler ça là. Et voilà. Comme ça, là, on a à peu près un truc potable. Ils sont obligés de faire tout le tour, mais ça fera un truc sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Donc là, on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera un deuxième épisode où on va s'occuper de débloquer la recherche. Mais déjà, on a un beau petit aquarium. Donc on fera passer les gens comme ceci pour à l'entrée. Sûrement comme ceci avec... A voir si on fait pas un sort de couloir qui... peut-être un truc du genre comme ceci là. Vous voyez? Et qu'en gros les gens sont obligés de passer par là pour pouvoir aller de l'autre côté. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que plus tard, je vais débloquer les chemins et je vais les obliger à passer du coup de ce côté-là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci encore de vous abonner à la chaîne et de me faire confiance de regarder mes vidéos. Car c'est grâce à vous que je peux vous présenter des jeux, bah, tout simplement, en avance. N'hésitez pas au petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas mettre un petit pouce bleu et me dire ce que vous en pensez du prémisse de mon aquarium qui est, je pense, plutôt pas mal par rapport à ce que je fais d'habitude. Des bisous, portez-vous bien et je vous dis du coup à très vite. Ciao, ciao, c'était Soy.